Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux. Ça augmente d'édition en édition pour venir voir Mariam. On est toujours aussi contents, ravis, très heureux de l'accueillir. On a envie effectivement qu'elle s'épanouisse au Carrousel du Louvre. Chère madame, mesdames et messieurs, chers invités, pour moi c'est un plaisir de vous voir tous ce soir parmi nous. À l'occasion du vernissage de l'exposition intitulée « Les pétroglyphes » par la jeune artiste prodigieuse azerbaïdjanaise Mariam Alakbarli. Chaque fois qu'on est aux expositions par Mariam, moi je suis toujours très fier de découvrir quelque chose de nouveau dans son art, parce que ses œuvres nous inspirent, parce qu'ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins de pureté, de la lumière, des différentes couleurs, et ça, ça explique peut-être son monde intérieur. Je crois que c'est quelqu'un, malgré son jeune âge, c'est la deuxième fois qu'elle a la chance d'être exposée ici, au Carrousel du Louvre, et ça, c'était encore un témoignage de son talent. Mariam a été inspirée par ces pétroglyphes qu'il a pu découvrir en Azerbaïdjan, le pays d'où elle vient. Parce que ces pétroglyphes, ils font part de l'art rupestre et ça parle de périodes préhistoriques dans le Caucase, dont l'Azerbaïdjan fait partie. Et je vous invite maintenant de découvrir le monde de Mariam à travers de ses œuvres. Et encore une fois, merci d'être venus si nombreux et merci de votre soutien. Merci. Dear Mariam, dear guests, dear friends, thank you for coming. I would like to congratulate, first of all, Mariam, her family, her friends, with this exhibition, with this remarkable event. It's indeed an honor, and we are really proud that for the second time, the works of our young, talented artists are being exposed in these prestigious rooms of Paris. And as a representative of Azerbaijan to UNESCO, I'm really happy to say that Mariam's works reflect the petroglyphs of Kobustan, which is Azerbaijani ancient heritage. And as Ambassador Amirbaev also mentioned, we inscribed this heritage into UNESCO World Heritage List in 2007. And for me, it's a double pleasure that our young artist promotes the heritage of historical heritage of Azerbaijan. So I wish you and Mariam and your family the great success and in your future activities. And I would like to invite you to all to see this exhibition. Thank you very much. Merci. Je suis très heureuse de pouvoir être avec l'artiste Mariam Alakbarli de nouveau au Carrousel du Louvre. Dans notre monde à la fois virtuel et immatériel, la peinture de Mariam devient rare et précieuse. Son authenticité et sa sensibilité, sa force qui témoigne de son dialogue direct, son rapport direct avec le monde et les personnes qui l'entourent. Inspirée par ses fréquentes visites des musées, mais ici on voit qu'elle était allée sur le site, sur l'art rupestre à Gobustan. Vous voyez donc que cette exposition témoigne de sa rencontre avec ce lieu mythique, un musée en plein air, au confluent des cultures européennes et asiatiques. En tant que commissaire d'exposition et critique d'art, je soutiens l'œuvre de Mariam, ce que vous voyez ici dans l'exposition, pour son jeune âge de 24 ans, elle a une sûreté du trait, lorsque vous voyez les dessins, ininterrompue. Elle réinvente des formes gématiques, le premier langage du berceau de l'humanité. Donc ces pictogrammes ont une valeur universelle que Mariam traduit en or. Son travail, pour moi, va vers l'essentiel. Elle a un sens des couleurs
d'un grand raffinement. Son art reflète une vitalité primordiale et aussi un besoin d'être artiste, parce que c'est un travail très prometteur. Merci Mariam. Je suis très content d'être ici au vernissage de l'exposition de Mariam Alakbarli, jeune artiste prodigieuse d'Azerbaïdjan. Et ça fait toujours un plaisir de découvrir des nouveaux aspects de son œuvre. Cette exposition particulière est consacrée par le nom Petroglyph. Petroglyph, ce sont des dessins symboliques engravés à la pierre et qui décrivent les différentes scènes fascinante de la période préhistorique dans le Caucase, région du Caucase, dont l'Azerbaïdjan fait partie. Toutes les œuvres sont très, très intéressantes, mais moi j'ai aimé cette œuvre parce qu'il s'agit d'une scène de la chasse. Ici on voit que les gens préhistoriques ils chassent à l'antilope et donc des taureaux sauvages. Donc ça montre une des scènes de la vie quotidienne de cette époque-là. Et ce qui me frappe, c'est vraiment cette énergie, beaucoup de couleurs, beaucoup de pureté, mais en même temps beaucoup de lumière qui sort de cette œuvre. Donc ce qui montre la richesse du monde intérieur de cette jeune artiste. Elle a exposé déjà ses œuvres dans plusieurs pays du monde, en Allemagne, en Italie, en Russie, en Turquie, en Lettonie et bien sûr ici en France, à Paris. Donc chaque fois, elle nous inspire par cette envie de vie. Voilà, et ça c'est quelque chose que je trouve formidable.